Une application qui s'appelle Filmic Pro. Et on n'est pas à l'abri un jour peut-être de faire gagner. Très bonne idée. Hein, on va les contacter. Filmic Pro. Sachant qu'on a quand même été en finale de leur concours. Je dis ça, je dis rien. Nous, on s'appelle pas Little Block of Fame si on fait pas gagner Filmic Pro bientôt. On va les contacter, on va vous faire gagner Filmic Pro. Ça, c'est clair. Et tu fais quoi? Je suis en train de filmer. Enfin, je vais filmer un jour. Tu t'es en train de filmer? Ouais, parce que j'ai pas encore assez d'argent là. Bah, je voulais m'acheter Filmic Pro, mais j'ai pas les moyens là. J'ai pas. Parce qu'elle coûte. Bah, c'est pas ouf, hein. Elle est pas chère, mais j'ai pas encore. Tu sais que tu fais bien de m'en parler? Parce que j'ai une petite surprise. Je pense qu'on va faire gagner Filmic. On garde un petit peu de. Un petit peu pour moi. C'est possible. Ah. Allez, apéro. Alors là, je te ressors de la charcute envoyée par l'ami Vincent. Vincent, franchement. On est sur du chorizo là. Oh. Alors, à deux écoles, il y en a qui disent chorizo. Hein. Chorizo. Voilà. Et tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Ah, pain au chocolat. Chocolatine, je peux pas. Mais oui. Trop bon. Et avec ça, je vous propose sa petite bière d'accompagnement birale. Avec plaisir. Restez jusqu'à la fin, on donnera les modalités pour gagner au concours Filmic Pro. Du coup, Filmic Pro, à quoi ça peut permettre? Alors, Filmic Pro. Alors nous, on va parler uniquement Filmic Pro iPhone. C'est celle qu'on va faire gagner. Les codes qu'on va faire gagner sont pas compatibles. Elle existe Android. Sur Android, mais... Et elle a exactement les mêmes fonctionnalités. Bon, désolé les Android, on essaiera de... On fera gagner peut-être pour Android plus tard. En tout cas, qu'on essaye. Ouais. Filmic Pro est une application de tournage très poussée pour mobile. On a multitude d'options. Oui. Mais alors, moustache. On peut modifier le focus avec une molette. T'as plus l'automatisation de tous les paramètres. T'as accès manuellement à tous tes paramètres. Exactement. ISO. Focus. Focus. Balance des blancs. Shutter. Island. Ouais, Scorsese, DiCaprio. Shutter speed, c'est ton shutter, il ouvre tous les 1/24 de seconde, tous les 1/60, ou tous les 1/30. Voilà. Et du coup, tu peux régler ça pour avoir une image différente. Parce que par exemple, tu filmes en 60 images seconde, mais c'est trop lumineux, tu vas te mettre que le shutter, il ouvre quasi que 1/120 de seconde. Ton image sera un peu plus sombre et moins cramée. Il y a la possibilité de changer la fréquence d'image. Vous allez dans les options de l'iPhone, c'est un petit peu fastidieux. Plusieurs débits d'enregistrement. La température. Elle permet le réglage de la température de couleur. T'as un niveau du son aussi, de contrôler que tu satures pas. Tu peux enregistrer le format du son en M4A ou MP3, t'as plein de réglages. Tu peux régler le niveau d'enregistrement. Filmic Pro est partenaire avec plein d'accessoires, du coup c'est compatible avec DJI Osmo par exemple, avec d'autres marques de Steady, avec des marques de lentilles au format cinémascope, on appelle ça la lentille anamorphique et on va bientôt en parler sur la chaîne. Il y a la résolution, tu peux changer la résolution super rapidement. Et le ratio aussi. Le ratio, on peut se mettre en 16/9, en 4/3, en ce qu'on veut dans les options directement. On a aussi une option de pré-réglage, c'est-à-dire que si vous faites des pré-réglages de couleurs, de fréquences, etc. Pour un type de vidéo spécifique, et ben c'est enregistrable. Par exemple, tu te fais un preset de tournage en studio et ça remet tous tes réglages de studio. Exactement. Un preset de tournage en extérieur et t'as pas à tout refaire, juste tu cliques sur preset. Il y a aussi une stabilisation logicielle qui est vraiment bonne. De la stabilisation qui est vraiment bonne iPhone, qui est enlevable et immutable. Il y a des options pour aller encore plus loin que moi j'adore. T'as le, je crois que ça s'appelle du picking, où ça va changer un petit peu seulement sur ton retour écran, pas à l'enregistrement. Sur ta mise au point, ça va dire les endroits qui sont flous et exactement, les endroits qui sont nets. Ça te permet de faire une mise au point vraiment au millimètre. Et ça se voit visuellement avec un petit peu de... Et ça, je crois que c'est le picking. Une différence de couleur, quoi. Et t'as aussi les zébras. Les zébras, donc une partie rouge pour tout ce qui est en haute lumière, donc un petit peu cramé. Et une partie peut-être, je sais plus, une autre couleur pour la partie trop bleu. Sombre. Rouge, ouais. En général, c'est ça, c'est rouge trop cramé et bleu trop sombre. Ouais. Et ça te permet du coup de voir si ton image elle est pas surexposée ou sous-exposée ou si elle a les bons... Il y a un bon équilibre. Et la dernière fonctionnalité, c'est un achat en plus dans la vidéo. Ah oui, on a des modules achetables. Ouais, c'est un petit module. On ne peut pas gagner ça. Non, ça comprend pas ça, mais il est vraiment ouf ça, c'est pour aller encore plus loin. En fait, c'est de la merde ce qu'on fait gagner du coup. Ouais, bon, on arrête là. Ouais. Allez, au revoir. En gros, c'est le fait de pouvoir filmer en flat ou en log. En fait, il faut savoir que le capteur d'un smartphone ou de tout ce qui existe, tout ce qui capte la lumière, il arrive dans le capteur de manière brute et ensuite il y a un petit traitement des couleurs qui fait que ça le recontraste, ça le recolorise. Dans la photo, ça s'appelle des photos RAW, R-A-W, et dans la vidéo, ça s'appelle de... Il y a plusieurs formats, mais en général, ça s'appelle du flat ou du log. Et ça veut dire que tu as une image qui n'est pas du tout contrastée et pas du tout recolorisée. Très, très qui terne. Est brute, très terne. Quand tu vas enregistrer, tu vas voir que ça... c'est moche. Ah, c'est moche. Le mieux, c'est de tourner tout majoritairement filmé si tu as le temps. Ça demande du boulot. Et retraiter derrière en colorimétrie.
batterie. En étalonnage. Ouais. Travail que fait admirablement bien Adelin. Adelin, ouais. Prends un petit peu de... Mais avec plaisir. Voilà, à peu près filmique. Exactement. Je pense que les gens ne seront pas là pour nous entendre raconter des conneries et nous voir manger du sauciflard. Donc je pense que le mieux, c'est de maintenant le faire gagner. Voilà, je pense, les gens, on en a un peu marre. Comment on gagne Filmic Pro. Soit t'es sur YouTube, soit t'es sur Insta. Sur un... Mais essayez de participer que sur l'un sur l'autre, ça serait bon que vous gagnez deux codes. On fera attention. De toute façon, vous ne gagnerez pas deux codes. Il y en a 5 en tout à gagner. Il y en a 5 en tout à gagner. Sur YouTube, eh ben forcément, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne. Hein, tu mets la cloche, tu essayes de partager. De toute façon, on ne verra pas si tu partages, mais essaye de le faire quand même. Ça peut être super appréciable. Tu peux aller sur YouTube aussi. Tu peux aller sur YouTube, ça peut nous aider. Tu mets un petit commentaire sur la vidéo, etc. Il y aura un tirage au sort qui va être fait. Il y en aura 3 qui seront fait gagner sur YouTube. On leur donnera leur code pour télécharger gratuitement Filmic. Sur iOS. Et bien sûr, c'est à vie. Il faut repayer dans un an. Si tu l'as, tu l'as. Pareillement sur Instagram. Un petit commentaire sur la vignette. Donc vous allez dans le feed de notre Instagram et sur la vignette de cette vidéo. Voilà. Lâchez un petit commentaire. Il y en aura deux qui seront tirés au sort. Voilà. Et en même temps que tu viens sur Insta, t'as qu'à nous suivre sur Insta, ça mange pas de pain. Oui, tant qu'à tous les réseaux. Et si tu veux nous soutenir, parce qu'on veut faire aussi gagner d'autres trucs plus tard, donc ça serait bien de nous soutenir. Tu vas sur YouTube, tu regardes 2-3 pubs ou tu lâches un petit tip et puis ça nous aide et puis on poursuit. Voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit et tutti quanti. Pour rappeler, nous, notre chaîne, on fait tout avec un mobile. Tournage, montage, étalonnage, trucage, mixage, musique. Voilà. Tout. Pour prouver qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire grand chose. Voilà, on peut faire avec pas beaucoup. Merci. Et on se voit dans de prochaines aventures. Avec plaisir. À plus tard. Au revoir.